Ce vendredi 14 avril se tenait, sur la Croisette, la cérémonie d'ouverture de la 6e édition du Festival international des séries canaiseries. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités du petit écran ont foulé le traditionnel tapis rose, parmi lesquelles une partie du casting des Mystères de l'amour, la série dérivée d'Hélène et les garçons diffusée sur TMC. Hélène Reless, Hélène, Patrick Huidebas, Nicolas, Laure Guibert, Bénédicte, et Tom Chart, Jimmy, étaient donc réunis afin de grimper les marches du palais des festivals de Cannes. Plus complices que jamais, les quatre compères, qui se donnent la réplique depuis plus de 30 ans, ont pris la pose devant les photographes. Hélène Reless est apparue rayonnante vêtue d'un costume bleu marine qui laissait apparaître une chemise fuchsia assortie à la couleur du tapis, tandis que Laure Guibert avait opté pour un total look noir, composé d'un gilet d'homme porté à même la peau et d'un pantalon. Patrick Huidebas, quant à lui, fait le choix d'une tenue chic décontractée, composée d'une chemise et d'un blazer associé à un jean et des baskets, alors que Tom Chart a ressorti son plus beau costume à carreaux et même dégainé les lunettes de soleil. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le quatuor a fait sensation. Supérieur à Hélène Reless, Patrick Huidebas, Manuela Lopez. Leur évolution physique 30 ans après leur début s'est mise à la ville comme à l'écran malgré les années qui se sont écoulées, les acteurs des Mystères de l'amour se réjouissent d'être aussi bons amis à la ville comme à l'écran. Récemment, c'est dans les colonnes de Voici que Patrick Huidebas s'est penché sur sa relation fusionnelle avec Hélène Reless qu'il considère comme sa sœur. Si est-il alchimie totale, si est-il une sœur, notre relation est parfaite. Racontait le comédien qui avait vécu une brève idylle avec sa partenaire de jeu à l'époque d'Hélène et les garçons. On a dépassé tous les stades de l'amitié, elle connaît mes parents et je connais les siens, on passe des week-ends ensemble. Si est-il quelqu'un de ma famille, avait-il ajouté. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Denis Guignebourg.